6564 écoliers des classes de CM1 et CM2, élèves de 4e et 3e, de première et terminale, abordent cette rentrée scolaire avec beaucoup de sérénité. Ces apprenants de la région du Foulon reçoivent des manuels scolaires pour élever le niveau de l'éducation. Un don du ministre Adama Camara. Pour les élus locaux de Mignan, ce geste vient soulager les parents d'élèves qui sont confrontés à des difficultés financières en ces débuts d'année scolaire. La famille éducative a aussi traduit sa reconnaissance au ministre Adama Camara pour ce don. Ces ouvrages sont indispensables pour la réussite des apprenants. Monsieur le ministre, ce don est aussi le prolongement de la politique gouvernementale en matière d'éducation nationale, dont le paradigme est la gratuité de l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Tout en exhortant les cadres du district d'Idengueli à s'impliquer dans la scolarisation pour accroître le capital humain, le ministre Adama Camara a pris des engagements. Vous et moi, nous devons être les relais pour parler à nos parents. La première chose que nous devons obtenir de nos parents, c'est la scolarisation de nos enfants. J'ai aussi accepté de faire des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance pour certains de nos enfants. J'ai accepté aussi de faire les cartes nationales d'identité pour certains de nos enfants qui, en terminale, n'ont pas de carte d'identité. Alors que la carte nationale d'identité est une des pièces exigées pour passer le baccalauréat. Dans le district autonome du Dengueli, ce sont plus de 19 000 manuels scolaires qui ont été distribués par le ministre, 13 000 pour le Kabadougou et 6 000 pour le Foulon.